Monsieur, oui. Quelle heure est-il ? Il est midi. Mon mari ne prend jamais sa montre. Il dit qu'il joue à cache-cache avec le temps. Avec notre âge, on ne pense plus en heures, mais en journées. Le matin, il dit bonjour à la vie. Et le soir, il dit à demain la vie. J'espère. Vous trouvez ça normal ? Écoutez, on se verra la semaine prochaine, ok ? J'espère. Ricky, Ricky, viens ici. Ricky, viens, viens ici, Ricky. Monsieur, monsieur, soyez gentil, allez chercher Ricky. Non, mais madame, je n'ai pas le temps. Le docteur Pivot m'a interdit de courir, hein. Il m'a conseillé de marcher lentement. Mais je vous répète que je n'ai pas le temps. Tenez votre chien. Vous savez, j'ai une amie, c'est ma voisine. On regarde tous les soirs le docteur House. Mm-hmm. Mais le docteur Pivot, c'est pas le docteur House. Oui, ben, je n'en doute pas. Excusez-moi, vous auriez du feu, s'il vous plaît ? Oui. Ce matin, elle a claqué la porte. Elle m'a parlé de longueur d'onde. Vous savez ce que ça veut dire ? Oui, se comprendre, pas de mots, seulement des gestes. Seulement des gestes. Votre feu ? Ça va, gardez-le. Pas de mots, seulement des gestes. J'aime le foot, c'est quoi le problème ? Mais je m'en fous du foot. Moi, ce que je veux, c'est que t'aies du temps pour moi, tout simplement. Mais attends, mais quand je joue au foot, je marque un but, je pense à toi, bordel ! Mais t'es vraiment un mytho, tu cours après un ballon, tu crois que j'ai pensé que tu penses à moi quand tu cours après un ballon de foot ? Ouais, c'est ça, moi je suis un mytho. Hein, mais oui, t'es un mytho, t'es toujours... qu'un menteur. Monsieur, excusez-moi, monsieur. Vous aimez le foot ? Oui. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez expliquer à ma copine que quand on joue au foot, c'est possible que la tête, le cœur et les pieds courent en même temps ? C'est n'importe quoi, moi. Quand je l'attends à la maison, je fume la moitié de mon paquet de cigarettes et j'attends une heure au téléphone avec ma mère. Une heure au téléphone ouais, avec ouais, ouais, c'est ça, ouais, ta mère. Ouais, ta mère. Quoi, qu'est-ce qu'elle a, ma mère ? Vous savez quoi ? Qu'est-ce... Sa mère, elle m'a déjà acheté une paire de pantoufles. Eh ben quoi ? Elle est prévoyante, voilà, elle est gentille. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu une jeune fille près de l'étang ? Pas de mots, hein, seulement des gestes. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu une jeune fille avec un chapeau de paille, elle était assise au bord de l'eau ? Depuis 50 ans, toutes les femmes ressemblent à mon épouse. Je ne les distingue plus. Mais bon, ça va. Madame, excusez-moi, vous n'auriez pas vu une jeune fille avec allez, un chapeau... Allez, viens, Ricky, on rentre à la maison. Viens, Ricky, on rentre. Excusez-moi de vous déranger en plein match. Vous n'auriez pas vu une jeune fille avec une robe rouge et un chapeau de paille ? Non, ben, sûrement qu'elle ne devait pas aimer le foot. Monsieur, vous avez perdu quelque chose ? Non. Non, je pensais qu'une femme s'était noyée. Mais pourtant, les canards ont l'air heureux. C'est votre chapeau ? C'est mon chapeau. Alors, vous êtes la femme que j'attendais. Mais cette fois-ci, ce n'est pas vous que j'attends. Pas de mots, seulement des gestes. Vous voyez, monsieur, je suis vos conseils à la lettre.